Chers camarades, aujourd'hui, sur cette place historique de cathédrale du Kremlin de Moscou, les représentants des forces armées russes, les collaborateurs de la garde russe, les représentants de FSB, MVD, FSO, les soldats et les officiers, de véritables défenseurs de la patrie, qui, dans un moment difficile pour le pays, ensemble avec leurs camarades, se sont dressés sur le chemin contre la révolte, dont le résultat aurait été immanquablement le chaos. Vous avez protégé l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos concitoyens. Vous avez préservé notre pays des bouleversements. De fait, vous avez arrêté la guerre civile. Dans cette situation difficile, vous avez agi de concert et vous avez prouvé par les faits votre fidélité au peuple russe et au serment militaire. Vous avez fait preuve de responsabilité pour l'avenir de la patrie. Les collaborateurs de MVD, garde russe et les autres ont assuré le fonctionnement des centres de commandement, des sites stratégiques de défense, la sécurité des régions frontalières, la sécurité de nos bases arrières, de toutes nos unités qui ont continué pendant ce temps à mener un combat héroïque au front. Nous n'avons pas été obligés d'amener ces unités militaires de la zone d'opération spéciale. Dans cette confrontation avec les mutins, nos camarades ont péri. Nos aviateurs, ils n'ont pas frémi et ils ont rempli l'ordre et leur devoir militaire. Je vous invite à honorer leur mémoire d'une minute de silence. Chers amis, votre résolution et votre courage, ainsi que la consolidation de l'ensemble de la société russe, ont joué un grand rôle, un rôle déterminant dans la stabilisation de la situation. Les gens qui ont été entraînés dans cette révolte ont vu que l'armée, le peuple sont unis. La présence rapide des forces de l'ordre a permis de couper le développement extrêmement dangereux de la situation pour le pays, d'éviter les victimes au sein de la population civile. Je vous remercie, l'ensemble des forces armées russes, des forces de l'ordre et les services spéciaux pour votre service, pour votre courage et pour votre fidélité au peuple russe.